Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour cet épisode de... Waouh, bonus des House Flipper édition Garden, édition. Qu'est-ce que... Oh! Ah ouais, on peut bouger les dalles, excusez-moi, il faut que je m'y... Ah ouais, ouais j'avais bien vu qu'ils avaient fait les trucs comme ça, des dalles, mais on pouvait encore rien faire là, on peut les bouger, c'est trop bien! Ah! Bref, donc le Garden... Oh, il y avait des orties! Ah oui! Le DLC Garden est bien sorti. J'ai tenté de faire un live qui n'a vraiment pas du tout fonctionné. Ça m'a bien frustrée. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour... Bonus! Pour qu'on puisse découvrir un peu ensemble. Bon, apparemment, vous êtes quand même plusieurs à avoir vu avant moi. Moi, je ne l'ai même pas... voilà. J'avais juste lancé pour voir si effectivement j'avais bien le... Le DLC, oh là là, mais il y a plein d'ordures chez moi. Et puis voilà quoi. Les orties. Ah, ça c'est de la merde ça. C'est cette bête ça, les orties. Tac, tac, putain mais j'en avais plein. Et le pire c'est que je suis passée l'épisode précédent. Oh mais non, c'est joli ça. Et j'avais déjà enlevé les touffes de trucs et tout, mais en fait, il y en a encore plein quoi. Est-ce que du coup je peux passer la tondeuse ici, mon dieu, mon dieu. On n'est pas sorti de l'auberge, je vous dis. Hein. Parce que là, c'est même pas une mission, c'est juste ma propre maison. Ah bah là, par contre... Ok, bon bah celle-là, elle veut pas partir. Mais c'est des petites fleurs mignonnes, non? Oh, c'est la nature. encore là, encore là, là, là. On peut rien faire avec l'arbre. Oh, on peut même pas le tronçonner. Ah, quelle déception. Je me plaisante, bien sûr. Est-ce que... Non, là, il y a ça. Hop. Bon, par contre, là, je vais avoir 10 millions de trucs à faire dans... Non, mais parce que les jardins d'un house flipper sont quand même assez énormes. Hein. Donc, ça me fait beaucoup peur, en fait. Est-ce que si je dois aménager un jardin à chaque fois que je fais une maison, que je mets déjà 8 heures par maison, ben, je mettrai encore plus de temps. Bon, là, de toute façon, les prochains épisodes, ça va être spécialement garden. Hein. Je vais faire les missions, parce qu'il y en a eu 17, d'après ce que j'ai vu sur le teaser qui nous ont sorti, bah, avant la sortie, en fait. Qu'ils ont ajouté 17 missions pour le garden. C'est joli, quoi, un nouveau point de compétence qu'ils font comme ça. C'est vraiment mignon. Voilà. Ça, c'est pas une ordure, ça D'accord, d'accord. Oui, donc voilà, je vais faire les missions et après je reprendrai les achats de maisons et décorations de maisons. Comme ça, ça me fait un peu une pause au niveau des décos en fait. Voilà, comme ça, je pourrais me peut-être trouver d'autres idées, d'autres tableaux, tout ça. Et puis en plus, même avec le garden, ils ont des meubles nouveaux aussi. Donc, ce qui peut être très intéressant, c'est que je peut-être éventuellement utiliser les meubles de dehors pour mettre à l'intérieur. Et ça, du coup, ça sera encore mieux. Parce que ça va augmenter le nombre de meubles et de possibilités de décoration. Donc, à voir. Bon, j'ai peut-être loupé des trois trucs, hein, mais là, il y en a tellement. Eh ben, si l'émission, c'est que ça, moi, j'ai pas fini. Hein. Je vous mettrai en accéléré. Hein. Parce que là, si je dois tourner la pelouse, je pense que quelque chose. Ah non, mais j'aurais trop aimé faire ça en live avec vous, quoi. En plus, vous étiez là et tout, et ça n'a pas fonctionné. Mon téléphone... Le seul stream que je peux faire pour l'instant, c'est avec la connexion de mon téléphone en 4G. Bah là, ça ne fonctionnait absolument pas, en fait. Ça lançait, j'étais en vert. Après, tout de suite, j'étais en orange. J'avais pris en rouge, j'étais même à zéro, quoi. Donc, je comprenais pas. Mais pourtant, quand je fais du Sims, ça fonctionne super. Et ben, House Flipper, ça veut pas. Allez, on rentre à la maison. Ma petite maison. Oh, ça fait bizarre de voir autant de couleurs, autant de clarté. Et on est parti. On va faire une première mission. Eh ben, on a qu'une seule mission. On va pas aller loin, les enfants. Un peu de gravier et d'arbustes. Alors, comment il s'appelle Ewelina Zabek. Bonjour, j'ai mon cabinet dentaire à la maison. Bah, désolé. Je peux me débrouiller avec des trous dans les dents. Ah mais c'est dégueulasse! Mais pas avec des trous dans le sol ou avec des mauvaises herbes. Veuillez couvrir toutes les mauvaises herbes ainsi que la pelouse à l'avant de la maison avec n'importe quel gravier ou autre copeau. Et plantez-y quelque chose s'il vous plaît pour que ce soit joli cordialement. Eh ben allons-y. Waouh, la maison! Ah ouais, il y a trop de nouveaux trucs et tout. Oh mon dieu! Alors la plantation est disponible. Vous pouvez désormais concevoir un jardin. Recherchez des plantes dans la catégorie jardin dans la boutique. Alors...
Ok. Oh, vous avez débloqué tuyau d'arrosage. Non! En plus, on pourra arroser. C'est trop bien. Félicitations, vous avez débloqué un nouvel outil. En utilisant le tuyau d'arrosage, vous pourrez arroser les fleurs, remplir les réservoirs d'eau, nettoyer la saleté à l'extérieur de la maison. Ah, oh, c'est trop cool! Ah, oh, mon Dieu! Ah, c'est trop beau! Regardez ça! Oh, c'est encore mieux que dans les Sims, c'est les gens! Ah, j'aime trop! Ah, c'est trop sympa! Bon. Alors, attendez, est-ce que il fallait que je revienne là, non? Les tâches, progrès? Ok, mais ils me disent pas ce que je dois faire. Tout à l'heure, ils me disaient. Bon, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que... Ah, si! Bah... C'est une blague. Ah non, regardez, quand je suis sur les dalles, je n'ai rien à faire. Quand je suis dans la pelouse, j'en ai à faire. Alors, planter arbustes conifères, enlever les mauvaises herbes, disperser la surface gravier. On va enlever donc les mauvaises herbes. On est là pour ça, de toute façon. Mais après, mauvaises herbes, même si on met du gravier, ça repousse, hein, ça, c'est... C'est pour ça qu'on appelle ça des mauvaises herbes, c'est parce que justement, c'est... Ça revient tout le temps. Mauvaises graines, mauvaises herbes, tout ça, quoi. Hein. On connaît tous ce genre de petits désagréments, je voulais dire, plutôt. Voilà. C'est facile, par contre, pour enlever. Vous savez, on n'a pas à arracher le truc et tout. Oh, bonjour, madame, monsieur l'arbuste, vous êtes beau. Ici aussi, planter arbuste conifère, d'accord. Bon, je vais enlever déjà toutes les saletés, là, toutes les mauvaises herbes. Hein. Hop. Ça va vite, hein, 44, 55, 61, 66. Heureusement, ça va vite enlever tout ça. Vu le nombre qu'il y a. D'accord. C'est déjà fait. Et il reste ce petit carré ici. Bah, madame, c'est dommage quand même de. Et vous pensez qu'on peut aller dans la maison? On peut pas visiter la maison, je suis dégoûtée. Ah, on voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Oh non, les gens, vous êtes dégueulasses. Regardez, je vois du rose. J'ai l'impression que c'est une salle de bain. Il y a l'air d'avoir une plante parce qu'elle dépasse. Attendez, on peut ouvrir. On peut s'introduire dans la maison. Attendez. On peut pas cambrioler. Ça n'a pas l'air jojo, hein. Le sol, il n'a pas l'air très... C'est quoi ça? Ah non, c'est une plante, justement, c'est un pot. C'est le pot qui est rose avec la plante, d'accord. Mais je suis pas sûre qu'il y a... Là aussi, ils ont mis la même plante, peut-être. Ouais, je suis pas sûre que ce soit décoré à l'intérieur. On n'a pas accès. Mais moi, je veux rentrer dans la maison. Non? Est-ce qu'on peut... Waouh! Pas le droit d'y aller. Ah, je suis frustrée. Voilà, on avait des missions bricolage avant, mais on devait faire que dans le garage, on pouvait rentrer dans la maison et visiter. Et maintenant, on peut plus rentrer dans la maison. Il y a un petit souci, vos trucs qui sont en train de reluire. Ah non, c'est mon carré d'herbe qui reluit. Excusez-moi, je me perds. Hein. En même temps, je découvre, donc je sais pas si vous voulez... Ah tiens, j'ai oublié une nouvelle herbe là. Je sais pas si vous l'avez déjà ou déjà vu quelqu'un qui joue avec, mais moi, c'est... Voilà, je découvre. Donc, je teste des trucs. Alors, ici, on va devoir planter un arbuste conifère. Alors, on va commencer à ça. Ah, 2 points de jardinage à dépenser. Rapide, planter 80%, creusement à l'aide d'une pelle à 75, machin, équipé, grande débroussailleuse. Pelle Beouchi à venir. D'accord, ça c'est pas encore. Esprit jardinier, herbe haute visible sur la mini-carte. Oh, bah écoutez, on va prendre ça et on va prendre ça. Ouais, je pense que c'est bien. Alors, magasin et jardin. Meubles, plantes, surface, haute architecture. Donc, plantes. Oh là là, c'est trop beau! Ah, oh, j'aime trop. Oh, ça veut trop bien de faire de la déco avec tous ces trucs-là en plus. Ah! Alors, bon, c'est pas du tout ça, hein, mais bon. Et conifère. Conifère. Ah, conifère. Ah ouais! Mais il est bizarre celui-là. Forme de tapis, type rampant, forme irrégulière.
Elle a pas fait de demande spécifique. Hein. Planter arbuste conifère. Ah, peut-être arbuste conifère. Arbuste conifère. D'accord. Mais c'est tous des arbustes conifères, donc en fait, je mets celui que je veux. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce qu'on met un sapin de Noël? Est-ce que je mets ça? Non, mais oui, bah, là, je sais pas, en fait, parce que, bon... Est-ce que j'en mets un différent? Mais ça va faire moche, en fait. Si j'en mets quatre différents sur les quatre parterres, c'est un peu dommage. Du coup, je vais faire deux et deux. Qui font quatre, évidemment. Je sais pas, genre, ceux-là. Puis en plus, on peut choisir la couleur! Mais c'est trop sympa! Est-ce que j'aime bien celui-là? J'aime bien celui-là. Je vais en acheter deux. Genre, je vais les mettre... Tac. Et tac. Ça fera à peu près... Ouais. Et là, je vais en mettre un petit. Je vais mettre des petits, je veux dire. Genre les petits rampants, là, je sais pas quoi. Forme de tapis ou rampant. Ou forme irrégulière. Ouais, je vais prendre ça. Ah ouais! Ah la vache! Ah oui, mais non, moi je pensais pas qu'il était aussi gros que ça! Ah mon dieu! Ah, je suis toute excitaillée, hein, ça. Alors, je vais peut-être prendre celui-là. Il me paraît moins... Ouais, allez, tac. Alors, on va voir ça, on rentre dans la maison. On va mettre celui-là dans le centre, hein, parce que quand même... Ah oui, j'avais pas vu sur la minimap! Ah, oh, c'est trop cool! On peut carrément le jauger directement sur la minimap où on le met. C'est trop bien, parce que du coup, je vais moins me planter, et pour la... Ah ben en plus, ils mettent des emplacements, je suis conne! Ah là là, je vous jure, des fois j'ai envie de me taper. Attendez, que je me repère, c'est un peu compliqué. Mais là non, comme ça. Tu dois aller un peu plus par là. Et un peu plus par là. Ok. J'ai compris. Donc lui, du coup, je suis obligée de le mettre. Mais pourquoi il m'enlève la marque? Ouais, c'est à peu près, hein. Mais lui, c'est bizarre, il m'enlève la marque. Bon, c'est bien. Le 2, il est bien plan, il est bien mis. D'après ce que j'ai compris. Ouais, après, on s'en fout. Mais c'est cool, en fait, j'avais pas fait gaffe au départ qu'il fallait les mettre à certains endroits. Ok? On va dire que ça marche comme ça, les enfants? Alors, je sais pas, moi, comment on fait, hein. Ah, eux plantés. Oh! C'est con. Du coup, je dois rester appuyé dessus ou non, je dois recreuser à chaque fois? Et ça me le dit quand c'est trou complètement creusé. D'accord! Insérer la plante. Ah, insérer la plante. Oh oui! Et mettre de la terre autour. Ok, d'accord. Ah, et après on arrose. Wouhouhou! On éclate comme on peut. Ah non! Ah, on a une nouvelle. Ah oui, d'accord. On a une nouvelle main. Mais comment ils vont faire quand on aura tout entre bricolage et tout? Oh, il fait moins joli en fait maintenant. Bon, c'est pas grave. On va donc planter. On va faire ça. Hop. On va creuser. Je redonne un coup de petit clic. Encore un clic. Encore un clic. Ah oui, ça sera mieux. Voilà, trop. Quand on ira plus vite à planter, parce que effectivement, c'est un peu chiant. Il faut mettre de la terre. Oui. Il n'y a pas besoin de creuser ici. Mettre de la terre autour. Ah, c'est ça. Là, il le fait automatiquement en fait. Moi, c'est pas moi qui le fais. Wouhou! Ah oui! Allez, c'est soirée bikini! On s'en met plein partout! C'est concours de t-shirts mouillés! Oui! Excusez-moi. Excusez-moi, je me lâche. Alors, un petit coup. Deux petits coups.
trois petits coups. Quatre petits coups. Cinq. Et ça fait quand même pas mal de coups, hein, tout ça. On va insérer la plante. Mettre de la terre autour. Ça, c'est lui qui le fait tout seul comme un grand. Et on arrose. Ah oui. Oh oui. On va encore me dire, t'arrêtes de faire des bruits bizarres, mais... Je sais pas, ça me fait triper le jet d'eau, moi, perso. J'en ai foutu partout. Ah ah ah. Oh oui. Bah écoutez, hein. Après, s'il y en a qui aiment pas mon humour, ils peuvent aussi partir, c'est pas un souci. Ah, trou complètement creusé, mais moi je vois pas, hein. Ça y est, je commence à avoir du skills, hein. Mettre de la terre autour. Hop. Et puis le petit jet d'eau, tout va bien, la la la, la 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 la, la 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 la, je sème à tout vent, oui, on va en mettre dans, attendez, on va en mettre dans la maison, oui, regardez comme c'est beau, ouhouhou, ouais, je suis le jardinier fou, et je viens pourrir vos maisons avec mon jet d'eau de l'enfer, oh oui, craignez mon jet puissant. Ouhouhou, ah ah ah. Bon allez, j'arrête le délire. Et on va mettre du gravier. Gravier bicolore, d'accord. Alors, gravier bicolore, comment que c'est? Où que c'est? Surface. Ah oui, c'est ça. Gravier bicolore carré. C'est moche. Unicolore. Petit chemin en pierre. Waouh. Tête de chat? Ah bon? Des têtes de chat? Oh, et puis il y a plein de couleurs. Oh, c'est trop cool! Ah, mais c'est trop bien. En fait, limite, j'avais vu qu'il disait sur Twitter, Frozen, ceux qui ont créé un super et tout ça, que quand ils développaient Garden, qu'il y avait limite autant, voire plus d'objets que dans le House Flipper de base. Et franchement, ça va être trop cool parce que. Regardez tout ce qu'il y a! Mais c'est trop bien, mais ça, si on peut le mettre dans la maison, vous imaginez le délire? Je pense pas, peut-être, je sais pas. Mais à mon avis, si, mais là, ça va être trop bien. Moi, je vais m'éclater. Hein. Ça. Oh là là. Oh, mais il y a vraiment beaucoup de choix. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus travaillé que le flipper de base, hein, je crois, moi, hein, personnellement. Regardez tout ce qu'il y a. Après, c'est parce que, aussi, j'avoue, c'est la première fois que je regarde. Donc, je ne connais pas, je découvre et je trouve qu'il y a beaucoup. Mais peut-être que quand j'aurai fait toute l'émission et 40 jardins, je dirais, ouais, non, mais franchement, c'est abusé. Donc, je sais pas. Écorce, gravier, unicolore, gravier, oui. Où est-ce qu'on met donc, attendez. Chemin de pierre, dalle, surface de sport. Agrégat de pierre. Alors, elle veut du bicolore. On met quoi? Il faut que ça aille avec ces trucs-là, comme ça. Qui sont un peu beige. Écru et beige. Du coup, agrégat de pierre. Ah non, mais bicolore. Attendez. Tout à l'heure, j'ai vu deux bicolores. Oui, j'ai vu celui-là. Un gravier bicolore carré. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Gravier bicolore. Donc, en fait, on a... Ouais. Bon, écoutez, on va prendre celui-là. Hein. Ah, il y a différentes couleurs. Oh. Bah, non, je vais prendre la couleur de base, que ça se marie bien. Ah, je préfère le petit. Alors, comment ça se passe? Ah oui, d'accord, c'est ce que j'avais vu dans le trailer. Faut que je fasse genre comme ça. Oh là là, mais alors ça va être une longueur infinie, ce truc. Hein. Oh là là, et puis alors... Vous pourrez voir mes skis à quel point je vais droit. Vous pouvez vous moquer. Ah, c'est un peu comme les fenêtres. Hein. Là, je pense que le gravier... Et encore, hein, j'ai pas encore tendu des pelouses. Hein. Oh, regardez, j'en fous partout. Ça va être un vrai délire. Je pense que le jardin, ce sera des... Ça va être un vrai carnage. À partir de maintenant, tu peux t'amener le chantier. Oui, non, mais j'ai envie de le finir, moi. J'ai envie d'aller jusqu'au bout dans le délire. Hein. Alors, il reste des touffes, là. Il reste des touffes, monsieur. Mais pourquoi les touffes, elles sont pas étouffées? Ah, d'ailleurs, étouffées. Touffes, voilà. Et ouais, je viens de faire le rapprochement, moi aussi, les enfants. Est-ce que c'est joli? Pourquoi il y a des dalles bleues, d'un coup? Ah, il y avait déjà des dalles bleues. Putain, mais moi, je fume, hein. Oui, c'est choupette. Allez. Mais pourquoi? Moi, ça me frustre. Il y a des touffes qui sont pas recouvertes. Et ça,
Ça me fait bizarre. Ça, c'est le côté un peu perfectionniste de sur les bords. Il n'y a pas le côté satisfaisant, vous voyez, quand. Si c'est pas nickel chrome avec des. Non, quand il y a des touffes qui dépassent, ben moi, ça me. Non, ça me frustre. Ah, c'est sûr que je me marre moins qu'avec le gélo, hein. Là, on va pas se cacher, hein. Ah oui, le gravier! Je vais mettre dans mon titre attention second degré. Parce que là, ça part complètement en vrille. Bon, ça va! Allez, on va. Désolé, ça fait mal à la tête. Ouais, ben ça va vite au moins comme ça. Non, je rigole, je vais quand même pas. Sinon, vous allez partir de Blue David en disant, mais complètement achetarbée cette meuf! Mais oui, mais c'est pas nouveau, hein. Vous avez pas lu là avant de vous abonner ma description? J'ai dit que je chante des fois, ça m'arrive de faire des chansons freestyle. Ah là, il veut pas se recouvrir. Frustration. Ah non, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, comprendo. Oui, et donc dans ma description, j'ai dit que je suis folle, un peu. Et ça, c'est pour être gentil en fait, parce qu'après, il y a ce que je dis et ce que je fais. J'ai compris la frustration. Attendez, attendez, il faut que ce soit vert. Et quand c'est vert, ça recouvre. Sauf que dans les coins, je peux pas, parce que dans les coins, c'est nous c'est arrondi, donc je peux pas faire dans les coins. Je peux pas faire dans les coins. On se croirait dans avec l'outil terrain dans les Sims ici. Hop. Sauf que c'est du précis précis. On n'a jamais été aussi près dans les Sims pour peindre un terrain. Alors c'est surtout ici qu'il y avait plein de touffes. Hop, touffe touffe. Attendez, hop. Touf, touf! Ah, j'en ai pas mis ici. Oh là là, je travaille pas bien. Hein. Je vais pas mériter mon salaire. Hein. Surtout que là, on régresse. Hein, parce que bon, maintenant, moi, mon business, c'est d'acheter des maisons, de les rendre très belles et de les vendre à un prix au-delà de toutes tes concurrences. Et là, je suis juste jardinier. Donc, ça va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, quand même, quoi. Bon, on est sur le dernier. Attention, je vais essayer de pas trop faire de touffe sur le bord, mais. Oh! C'était un presque perfect là. Attendez. Tac, je reviens. Si je vais droit comme ça, logiquement, il n'y a pas de raison qu'on rate. Hein. Bon, il y a un petit peu de poil qui est là qui dépasse. Ça, c'est normal, hein. Il faut épiler tout pour l'été. Hein. Sinon, dans les maillots, c'est pas jojo. Hein. Toc, 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 toc. Ah, je m'en sors là quand même. Il y a le côté perfectionniste qui revient d'un coup là. Là, j'ai envie de faire un truc joli, un truc bien. Pourquoi ça dépasse? Mais il m'a pas demandé d'aller là, si? On peut faire des dessins? Qu'est-ce que non, alors j'ai pensé à un dessin, mais c'est pas tout public. Non. Alors je vais faire un dessin. Pouf, pouf, pouf. Voilà, c'est un bonhomme. Non, j'ai pas 8 ans d'âge mental. Ah, je vois pas où est-ce qu'il faut, jusqu'où il faut en mettre, mais jusque-là, je pense que c'est bien. Et c'est quoi le rapport que la meuf, elle a avec ses dents là, avec ses, enfin, pas avec ses dents à elle, mais qu'elle dit les trucs de je suis dentiste, on s'en fout en fait, parce qu'on peut même pas rentrer dans sa maison. Je pense que c'est pour ça, parce que sinon ils auraient dû faire un genre un cabinet avec un truc de dentiste et tout. Et qu'ils n'ont pas voulu développer le truc. Moi, ce petit bout-là, je l'aurais laissé en pelouse, hein, mais bon, comme j'ai commencé et que ça faisait moche, je suis pas sûre qu'on puisse enlever le. Je sais même pas, ouais, si on peut enlever, genre, si dans un jardin que je refais. Je suis en train de mettre du gravier comme ça et d'un seul coup on me dit ouais non mais en fait enfin on me dit ou moi je me dis maintenant je veux changer je veux remettre de la pelouse et qu'en fait bah je peux pas. Il luit en plus le gravier. Allez! Ouais! Ah oh, oui!
Le jet d'eau! Oh oui! Oh oui! Regardez comme je gicle bien haut de mon jet d'eau! Le jet d'eau de l'enfer! Pourquoi ils me disent que j'ai pas un progrès à 100%? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Gravier. Ah, mais gouré! J'avais pas bien lu, poil au cul. Pardon. Unicolore. Mais c'est nul, la meuf, elle veut du unicolore ici. Punaise, on doit tout refaire, les gens. On va planter plus rapidement, parce que c'est vrai que c'était long. Elle veut du unicolore maintenant, cette biatch. Ben, on va prendre celui-là. On va le prendre en petit aussi. Ouais, comme ça. Ah non, là, et maintenant c'est carré. Non, mais what? Ouais, mais il faut être plus spécifique, hein. C'est pour ça que je comprenais pas. Là, je me dis, bah, c'est bizarre. Je sais pourquoi je suis pas à 100%. Bah, c'est pas logique. Ah, ouais, bah, mon métier, c'est pas jardinier, hein. Je suis encore en apprentissage. Moi, les murs, les robinets, les baignoires, les douches, ça n'a plus de secret pour moi, madame, hein, mais les plantes et le gravier, voilà quoi, hein. Alors, est-ce que c'est bon maintenant? Ouais, je pense que c'est bon. Mais c'est bizarre parce que pourquoi elle veut pas le même gravier partout? C'est un peu bébête. Hein. Bon, là par contre, là c'est carré donc pour les touffes c'est beaucoup plus facile. Mais quand bien même, ça fait pas jojo. Tant pis, hein, moi, c'est pas moi qui habite ici. Hein. Voilà, moi j'aurais mis la même couleur partout. Oh! Le truc il a disparu! Voilà, toutes les tâches sont terminées. Bon, est-ce que vous trouvez ça joli, les gens? Hein? Est-ce qu'on kiffe ou est-ce qu'on kiffe pas? Moi, je dis que c'est pas mal. Mais j'adore ça. C'est trop beau. Par contre, ici, c'est pas bien fait du tout. Mais ça, c'est beaucoup trop joli. Voilà. J'aime beaucoup trop. C'est un kiff. Bon! Eh bien du coup, toutes les tâches sont terminées. J'ai récolté 2105 euros. Je dis oui, merci madame. Et j'ai déverrouillé le succès Beginner Gardener. Eh bien c'est parfait. Moi, pour le coup, moi je vais vous laisser en tout cas pour cette vidéo. C'était une première découverte du DLC Garden. J'espère que ça vous aura plu. Que mes délires avec le jet d'eau ne vous auront pas choqué. Hein? C'est pas grave, vous savez, c'est ça arrive hein, de pas vouloir, de pas aimer l'humour de quelqu'un. Mais bon, il faut s'habituer avec moi, hein, c'est que le début. Et puis, je vous retrouve donc mercredi pour la suite du DLC Garden, si on a des missions, sinon, bah tant pis. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!